viens de recevoir le prix, le trophée de la réputation sur la catégorie sociétale et puis le premier prix de la réputation. D'abord, on est très fiers. Je pense qu'il y a une fierté pour toutes les équipes qui sont sur le terrain, qui travaillent sur les projets, qui travaillent à la réputation de ce groupe. Je pense que cette réputation, elle est due à deux choses essentiellement. Certainement, nos produits avec la marque Danone, les yaourts que tout le monde connaît, qui représentent la santé pour beaucoup d'entre nous. Et elle est aussi le reflet de notre histoire, de notre culture et du double projet économique et social que Antoine Riboud puis Franck Riboud ont mis en place depuis 40 ans. Donc je pense que ce trophée doit être le résultat de cette alliance en fait entre la marque de yaourt et puis l'entreprise Danone qui effectivement a à cœur en permanence de mettre en place des projets d'innovation sociétale. Et par ailleurs, je pense que, et je le redis, les équipes qui sont mobilisées sur le terrain partout dans le monde, puisqu'on est un groupe de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires présent dans 120 pays dans le monde, je pense que c'est aussi à elles que sont dédiés ces deux prix, parce que c'est elles qui, tous les jours sur le terrain, font des actions, et c'est bien, à mon avis, les actions qui sont reconnues. Voilà. La dernière chose, c'est que je pense que la réputation pour une entreprise, c'est un vrai asset. C'est très important dans le monde dans lequel on vit, parce que nos consommateurs, mais aussi toutes nos parties prenantes, sont soucieuses de savoir ce que fait une entreprise. Et donc, je trouve bien qu'un trophée comme celui-là existe.